Ces derniers jours, c'est l'accord d'Alger de 2015, dit accord d'Alger, qui revient en scène. Je reviendrai dessus là. Je vous informe que l'accord d'Alger de 2015 a été retiré des documents officiels de l'Organisation des Nations Unies. Dois-je vous rappeler que je me suis encore battu contre vos émissaires que vous avez envoyés de Berkeley? Je le dis et je le répète. Une autre fois, l'accord d'Alger, l'accord de 2015 d'Alger, portant sur la stabilisation du Mali, qui rentre dans le cadre des opérations de peacekeeping, et non pas de peacebuilding, ou bien de peacemaking, au Mali, est une fumisterie. C'est une merde. Voilà. L'accord d'Alger de 2015 est une merde. Et j'ai travaillé fort pour qu'il soit oublié. Pour qu'il soit oublié. Pourquoi j'ai qualifié l'accord d'Alger de merde? Je ne reviendrai pas sur tous les détails. Hein. Il n'y a aucune mesure de ce qui a été prévu n'a été exécuté. Aucune mesure. Parce que c'est un accord qui coûte excessivement cher. Parce qu'il est impossible à l'Union européenne de le financer. Voulez-vous le faire financer par l'Algérie? Mon œil. Bon.